La Matmute vous présente la quotidienne. Bonsoir à toute la Haute-Normandie, bonsoir en direct, un bonsoir chaleureux, un bonsoir ensoleillé. L'anticyclone est encore là, l'anticyclone il est aussi sur le plateau. Regardez le nombre de soleils dont on est entouré, mon cher Félix, bonsoir. Bonsoir Sylvain. D'ailleurs, je trouve que vous avez pris des couleurs depuis que vous m'avez lâchement abandonné. La dernière entre nous deux, c'était quand ? C'était lundi soir. Voilà, et bien ce soir, Félix et moi, mesdames, messieurs, à votre service, avec encore de très beaux invités, de très belles histoires et un sommaire qu'on attend avec impatience, Félix. Oui, il fait chanter le pain. Il attire les foules tous les jours au niveau de sa boulangerie rue Armand Carrel. Il s'appelle Christophe Cressan. Il est le meilleur ouvrier de France en boulangerie. À côté de lui, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Stéphane Monnier, directeur du Calif, qui va nous parler de cette structure et de la prévention auditive, un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Oui, ça sera en deuxième partie. Alors, ça sera en P2 de la quotidienne, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous le savez certainement, c'est la journée nationale de prévention contre les risques auditifs. Il y a beaucoup de précautions à prendre, il y a beaucoup de ravages aussi qui se font. Et bien, avec Stéphane Monnier en P2 tout à l'heure, on fera le point sur cette question importante. On peut parler d'ailleurs de salubrité publique. Pour l'instant, c'est la quotidienne qui commence en direct. Mon cher Félix, je vous ai un tout petit peu frustré, vous n'aviez pas tout à fait fini le sommaire. Vous avez frustré les téléspectateurs, il y a aussi la chronique de Maître Ringard, la chronique des notaires qui va nous expliquer qu'on peut acheter des biens immobiliers sur internet aux enchères. Et il y aura également la chronique BD de l'excellent Fred Sandon. Voilà, merci. La BD, bien sûr, c'est attractif. On verra tout à l'heure, un peu de suspense de quoi il s'agit. Et puis, Maître Ringard, vous l'avez dit, Félix, le notaire qui rend particulièrement attractif tout ce qui est relatif, d'ailleurs, le cadre juridique. Voilà, on peut tout à fait le dire comme ça. On commence par les pins et un invité de choix. Oui, alors Sylvain, si vous allez rue Armand Carrel, vous voyez souvent une grande file à côté d'une boulangerie qui s'appelle Ma Boulangerie. Tout le monde se l'a appropriée, j'ai l'impression. Rue Armand Carrel, à Rouen. Oui, à Rouen, évidemment. Et c'est grâce à Christophe Cressan et son talent, si on peut le dire comme ça. Christophe, sur votre parcours, en 2000, vous avez obtenu le MOF. Oui, c'est ça. Rappelez-nous ce titre d'excellence, comment on l'obtient et qu'est-ce qu'il garantit comme qualité ? Ben, ça se déroule en plusieurs étapes. Il faut d'abord faire acte de candidature. Christophe, on dit ce que c'est. MOF, M-O-F. Ça veut dire meilleur ouvrier de France. Tout simplement. Voilà. C'est un concours qu'on peut passer dans pas mal de professions. C'est un concours qui a lieu tous les 3 ou 4 ans et qui est sous l'égide de l'éducation nationale, notamment. On a à nouveau une session qui va commencer à démarrer, avec des épreuves pour certaines professions qui ont déjà commencé. Il y a d'abord une première étape de sélection, et puis une étape après une finale nationale, dans le but de faire partie de l'exposition nationale du travail. C'est extrêmement élevé comme niveau, enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est très élevé, oui. C'est très élevé, ça sanctionne en fait, je pense, quelques années d'expérience, même si pour notre partie, la boulangerie, il s'agit essentiellement d'avoir 23 ans pour pouvoir concourir à ce concours. Christophe Cressan, moi je ne peux pas résister. On m'a mis au plus près de vous ici. Est-ce que je pourrais toucher ? J'attends pas la fin de la chronique. Je voudrais vraiment effectivement toucher. Puis en plus, avec l'heure, on est en direct, hein, donc forcément, l'estomac commence à grougrouiller. Voilà. C'est-à-dire que là, je me permets de respirer ce qu'est le pain fait par un meilleur ouvrier de France. On le rappelle, Félix, c'est la raison de ce col bleu, blanc, rouge qu'on retrouve aussi sur la tenue de certains chefs gastronomes. Hein. Ben en fait, les métiers dont la tenue de travail demande une tenue spécifique, notamment tous les métiers de l'alimentaire, donc font l'objet d'une veste spécifique avec un col tricolore. Ouais. Sylvain, vous en avez un petit peu sur le nez. Attention à la télévision, ça peut être confusant. C'est parti. Bon, très bien. Vous étiez récemment, avant d'ouvrir votre boulangerie en 2010, à l'Institut National de la Boulangerie, c'est Rive Gauche à Rouen. Vous étiez formateur. L'envie de transmettre ? Oui, disons que, comme beaucoup, en fait, j'ai démarré dans l'atelier familial, en fait, chez mes parents,
qui était installé au Havre, artisan boulanger-pâtissier. Et puis après quelques années, j'ai souhaité me perfectionner. Donc j'ai eu la chance de passer des perfectionnements à l'école, à l'Institut de la boulangerie à Rouen. Ayant découvert cette école dans un premier temps en tant que stagiaire, j'ai souhaité me perfectionner dans les formations que l'INBP propose. Et après, l'envie de créer son projet, sa boutique, sa boulangerie. Oui, je pense que ça c'est, je pense que c'est un petit peu incontournable quand on est passionné par son métier. C'est de montrer un petit peu l'envie de fabriquer ses produits. Alors, la passion ici sur le plateau, Félix, on peut le dire, de la quotidienne, on reçoit beaucoup d'artisans dans tous les métiers. Et on aime ça, d'ailleurs. Et moi, je voudrais vous demander ce que ça vous fait d'être cet artisan d'exception, comme vous l'avez dit, Félix, au col blanc-rouge, qui fabrique ce produit qui est d'une noblesse, je trouve, tout à fait éminente, et qui rentre, grâce à vous, chez tous les foyers, et en même temps qui procure ce bonheur quotidien. Est-ce que vous avez conscience de ça quand vous faites votre pain? Oui, mais je pense que... J'ai l'air un peu dithyrambique comme ça, j'ai l'air un peu... Mais c'est important, ça. Disons qu'en fait, aujourd'hui, la chance qu'on peut avoir à travers son métier... les produits qu'on fabrique, on peut arriver à transmettre un peu de passion. Alors ça peut peut-être être compliqué à expliquer, mais on aime ce qu'on fait. On le fait dans les règles de l'art. Chaque métier a ses règles. Et c'est l'occasion pour nous, c'est un moyen d'expression. Donc dans vos métiers, on ne peut pas aller au boulot le matin en ayant besoin d'un coup de pied aux fesses. C'est pas possible. Sinon, on le ferait mal. Sinon, on ne donnerait pas du plaisir aux gens. Bah, disons que nous, en tout cas, on a du plaisir à se lever pour aller toucher la pâte. Rappelez-nous à quelle heure vous vous levez. Ça dépend. En ce moment, je me lève un peu plus tard parce que... C'est-à-dire 2h30 pour tout vous dire, pour tout vous dire, c'était les vacances encore hier, donc ça va. Mais en général, les boulangers se lèvent vers 3-4 heures du matin. Il y a plein de schémas de fabrication. On a aujourd'hui la grande chance d'avoir du matériel et de pouvoir travailler de jour. Voilà, donc c'est courant aussi d'avoir des boulangers qui se lèvent un peu plus tard, aux alentours de 5-6 heures. Stéphane, vous connaissez ma boulangerie? Vous allez chercher votre pain là-bas? Ça m'arrive, oui. La signature. Ouais. C'est ça. Alors vous voyez, la différence entre eux, ces deux hommes, il y en a un, il est dans les milieux de la musique, les milieux du rock, enfin tous les styles, et puis l'autre, bien sûr, on en parle avec lui, est dans le milieu de la boulangerie. En fait, vous êtes aux antipodes finalement de la journée. Là, il y a celui qui se lève tôt, et à côté, il y a celui qui se couche tard. Qui se couche tard, mais qui se lève tôt aussi. Aussi? Aussi, oui. Bon. On pourrait presque se croiser. Ouais. Ben, vous vous croiserez au pétrin, ça pourrait être sympa. Parlons un petit peu du process de fabrication. Je ne sais pas si on peut parler de process en boulangerie, mais quelle est la clé? Alors, sans tout dévoiler, vous laissez le temps au pain de bien cuire pour qu'il reste bon longtemps? Oui, alors il y a des phases actives et des phases passives. En clair, plus le process va être long, meilleur le produit sera, mais il y a des étapes incontournables à respecter. En fait, à chaque étape, il y a des points importants. Ne pas pétrir trop intensément une pâte, la laisser fermenter surtout en masse, ça c'est important, un petit peu comme la fermentation du vin, d'ailleurs c'est une fermentation alcoolique aussi la fermentation du pain, et il s'agit aussi de prendre un petit peu le temps à chaque étape. En fait, dès que la pâte va avoir fermenté un petit peu, on va la reprendre, la diviser, la laisser encore poser. Et globalement, il faut un process de minimum 5-6 heures pour faire une baguette de qualité. Donc, on perd un peu en productivité, on gagne en qualité. Est-ce que ça se ressent sur les prix? Forcément un petit peu. C'est un point qui est aujourd'hui incontournable. On a de temps en temps des gens qui trouvent le pain un peu cher, mais aujourd'hui, vous avez... une fourchette de prix qui est assez importante. En fait, en général, les prix bas, c'est les prix d'entrée de gamme, c'est aussi de l'entrée de gamme en termes de qualité, on va dire. Et puis, les produits qui se conservent assez longtemps, même si le pain, ça a une durée de vie assez limitée dans le temps, mais lorsqu'une baguette est encore bonne le lendemain de sa fabrication, on y a passé du temps, ça c'est une certitude. Donc on peut demander un petit peu plus de... Et ça refroidit pas les gens qui viennent nombreux, hein. On est d'accord.
Sylvain, tour en Seine-Maritime. Non, mais quand le pain est chaud, les gens ne sont jamais refroidis, mon cher Félix. Excellent, Sylvain. Eh bien oui, on part en Seine-Maritime. Félix, c'est une très très bonne suggestion. Juste après, restez avec nous, on finira la chronique avec Christophe Cressan, qui nous présentera quelques-unes de ses productions. Le jour en Seine-Maritime, ce soir, eh bien, ça concerne Zebrano. Il s'agit de fabrication de bijoux en bois. C'est nos marins. On regarde tous cela, une trente à peu près, et on se retrouve juste après. Zebrano, c'est le nom et la marque des bijoux. Donc c'est en fait une essence de bois qui est donc zébrée et qui reprend donc les rayures que je fais donc par collage de bois. Donc en fait, je vais coller plusieurs feuilles de bois donc qui sont utilisées en ébénisterie pour faire de la marqueterie. Donc les feuilles de bois, ça peut être du sycomore, donc qui vont être à l'état naturel blanc ou qui peuvent être teintées. Après, on va avoir du vengue ou du padouk, qui sont des essences qui viennent d'Afrique. On peut avoir de l'amarante, du palissandre, donc qui viennent là d'Amérique du Sud. Et après, il n'y a pas de limite, hein. C'est au choix de la personne et en fonction aussi de mes envies, quand c'est des créations de ma part. Donc, j'ai fait de l'ébénisterie, charpente navale et charpente bâtiment. Et à partir du moment où j'ai mis le pied donc, dans les formations du bois, bon, ben, j'ai pas lâché le bois, quoi. L'idée a commencé non professionnellement en fait, donc en faisant des bijoux pour des amis. Le but était d'offrir un bijou qui était exclusif, que personne d'autre pouvait avoir. Ça a commencé des boucles d'oreilles, des colliers pendentifs, des bagues et des bracelets. Je fais aussi donc des barrettes pour cheveux. Donc c'est vraiment très complet, quoi. Et après, je vais aussi faire d'autres objets comme les stylos, les porte-clés. Je vais faire aussi un petit peu d'objets de décoration, donc des bougeoirs, des porte-photos, des miroirs. Donc tout ce qui peut être fait en bois. L'avantage, c'est qu'on a des bijoux qui sont extrêmement légers, comme c'est du bois. Et l'avantage aussi, c'est que contrairement aux bijoux en bois classiques qui vont être massifs, le fait d'avoir un collage, en fait, bah, ça va rendre le bijou encore plus résistant. Les produits, donc, on peut les trouver donc, sur les marchés donc, que je vais faire. Donc, ça va être du marché qui est ponctuel, en thématique avec l'artisanat. Ou après, on peut le trouver sur le site internet donc, France Région. Et donc, il y a aussi toutes les informations donc, sur le Facebook. Et il y a là un site qui est en création. Je propose des visites de l'atelier donc, sur une heure et demie, où il y aura des démonstrations et on pourra aussi me poser donc les questions sur mes techniques de travail, mon parcours ou celles qu'on désire. Vous voyez tous ces beaux artisans dont on parle souvent, on les évoquait à l'instant, en Seine-Maritime, et bien voilà à nouveau un bel exemple. Et on reste dans l'artisanat pour terminer cette première partie avec Christophe Cressan. Ma boulangerie, c'est rue Armand Carrel à Rouen. Et cet homme, et bien, il a marqué MOF sur sa veste de travail. Il a un col bleu-blanc-rouge. Il est, je crois, hein, on peut le dire, sans doute le seul meilleur ouvrier de France boulanger de Haute-Normandie. Je dis pas de bêtises. Installé. Une boutique. Oui. Le seul meilleur ouvrier de France, boulanger, pâtissier installé en Haute-Normandie. Bravo pour cela. Un petit tour d'horizon. Alors, des tour produits d'horizon que vous avez ramenés. On présente maintenant les produits. Alors, on a... faites-nous la vente en quelque sorte, Christophe Cressan. Alors, on a un des produits que j'aime le plus fabriquer, c'est ce pain de seigle là. Ouais. Alors, je sais pas comment l'orienter. Ouais, ne le bougez pas, c'est bien. Le voir. Alors, malheureusement, à l'écran, on n'a pas les odeurs, mais je... Bah, je sais pas si tout à l'heure, vous avez vu que, pas ce que vous en pensez, j'ai mis la truffe. Hein. Ça, c'est un produit de caractère. Ah oui, caractère. C'est du seigle pur, on peut dire. C'est un seigle qui est fabriqué à l'ancienne, un peu comme on le fait en Auvergne, ouais. Avec du levain naturel. Parce qu'on aime beaucoup travailler sur le vin naturel. Alors ensuite, attendez, on va faire passer, parce que moi, je voudrais que Félix aussi se rapproche... des odeurs de ces pains artisanaux faits avec amour. Et ce n'est pas un vin mot. Ils sont très bons. Alors, on a aussi ce pain qui est un pain de meule.
Il est fait, en fait ça c'est un pain de blé, alors on avait un pain de seigle avant, là c'est un pain de blé, mais qui est un pain, on va dire, un petit peu de type campagne en fait, mais pur blé, avec du levain aussi, et sur la base d'une farine type 80 moulue à la meule de pierre. Voilà. Donc... Alors on enchaîne, Christophe Cressant, on est tellement pressé que vous nous présentiez les autres. On a ici un pain ciabatta, donc c'est un pain à l'huile d'olive, qui est une pâte très très hydratée. Et donc ciabatta, en fait, ça veut dire savate en fait en italien. Et on a un pain qui est un petit peu plat, qui ressemble à une pantoufle en fait. On peut rompre le pain, Christophe. Alors on peut rompre le pain, ça va pas forcément être facile, on va mettre des miettes partout. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est celui-ci, rompez le pain. Vous savez ce que je voudrais, messieurs ? Je voudrais qu'un meilleur ouvrier de France Boulanger nous offre de sa main un petit morceau du pain qu'il a produit ce matin. Voilà, vous rompez le pain, et alors, un morceau pour... C'est très... Oui, mais il y a quelque chose d'un peu de sacré, là, en ce moment. Vous allez goûter aussi... Je le passe à Félix. Vous avez un pain qui est assez tendre, il a très peu de croûte. Alors, vous voyez, chers amis qui nous regardez, nous sommes vraiment autour de ce desk de La Quotidienne, des compagnons. Mmh. Nous sommes des compagnons, puisque nous partageons le pain. On partage le pain. On partage le pain, au sens étymologique du terme. Voilà, et on goûte ce pain aux olives. Alors, c'est, là, il est, on le fait aussi avec des olives, mais celui-ci, il est nature, on va dire. Mais il y a un peu d'huile d'olive dedans qu'on peut retrouver dans les parfums. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose dessus. Hein, on peut le manger comme ça. C'est non, c'est vrai que ça m'arrive de déjeuner avec, avec ce pain, par exemple. Ça vous plaît, Stéphane Meunier? Est-ce que vous mangez du pain le matin au petit déjeuner? Oui, mais ce qui m'embête juste là, en fait, c'est qu'il a été rompu, je pourrais pas le ramener chez moi. Voilà. Mais direction là. Je vais le ramener en morceaux. Rue Armand Carrel, à Rouen, et y aller même dans les rayonnages. Non. Bon, absolument superbe. Un petit dernier pour la route. Et puis donc, un pain de céréales, en fait, hein, qui est moulé, parce qu'on a des gens qui apprécient, en fait, le fait qu'on puisse le trancher. On a un pain qui est un peu rectangulaire, donc ça peut être très pratique pour les toasts le matin, par exemple. Voilà. Bravo. C'était, parfait. En fait, c'était la ronde des pains ce soir, dans La Quotidienne. Merci beaucoup et vraiment un grand bravo. Hein. Je crois que Félix, on peut vous féliciter. Ce sont tous ces artisans qui maintiennent la qualité au bout de leurs doigts. Finalement, vous avez de l'or au bout des doigts. L'or de quoi ? Ben, l'or des gerbes de blé, bien sûr. Merci. Mais vous nous donnez envie d'être poète ce soir. Merci. Et puis vous, Stéphane Moynier, restez avec nous, hein, parce que votre tour, il vient juste après les infos. Les infos, l'actu du jour ce soir qui va vous être présenté par Félix Bolaise. Tout cela juste après un tout petit peu de publicité. Et nous, ici en plateau, on se retrouve après. Vous restez bien avec nous, on est en direct. La Matmut vous présente La Quotidienne.